Welcome to... Oh putain. Samuel, je vais essayer. Mon Dieu ! Attendez ! Vous devez le faire dans le bon ordre. Sinon la chute risque d'être mortelle pour moi. J'essaie d'accéder au schéma de Sixon. Ok. Débranchez le câble rouge en premier. Le rouge ? Ok. Je vois rien. Le rouge. Oh putain, ça va péter. C'est celui-là ! Allez, vas-y ! C'est bon ! Ensuite, cherchez un câble bleu. Vous le voyez? Le bleu, ça va être lui, là. Je vois rien. C'est celui-là. Allez, c'est maintenant! C'est bon. Je l'ai. Bleu déconnecté. Après? Je commence à avoir du mal à accéder au schéma. Apollo ne me facilite pas la tâche. Il me faut le suivant, Samuel. Putain. Qu'est-ce qui se passe dehors, Ripley? Les lumières d'urgence se sont allumées. J'arrive pas à différencier la couleur des câbles. Il va falloir me guider. Le suivant devrait être branché dans une prise murale. Je me souviens qu'il y avait un chariot retourné à côté. Merde. Prise murale. Ah, il est là, c'est celui-là. Ok. Allez. Il en reste encore deux, Ripley. Cherchez un panneau de sol ouvert. Il devrait y avoir un android désactivé pas très loin à côté. Celui-là. Ok. Je l'ai, Samuel. Plus que le dernier maintenant, s'il te plaît. C'est bon. Tiens le coup. Oh putain, je suis pas planté. Oh my god. Oh my god, il a l'air tellement mal. Mec ! Samuels, vous êtes en train de mourir. Vous parlez comme si j'avais vraiment vécu. Je vous en remercie. Samuels. Le transit d'Apollo est ouvert. Une fois que vous serez dans le noyau, il vous parlera. Vous avez fait ça pour moi ? Je voulais qu'Amanda Ripley puisse tourner la page. Oh merde. Putain, c'est trop cool. C'était le meilleur, Samuels. Comment Ricardo, je compte ici ? Si t'es là, réponds. Je suis là, pardon. Samuels est mort. Merde. Il a ouvert le transit d'Apollo pour moi. Je vais y aller directement. Je vais faire en sorte qu'Apollo lève le verrou. Putain, Samuels, il est mort. C'était le meilleur. Putain, c'est triste quand même. Salut. Bon, fuck. Hein. Tant pis, s'il se lève, on courira. Ok, du mouvement. Putain. Salut. Oh merde, ça c'était pas une bonne idée. Salut. Oui, je vais te suivre, allez, adieu. Putain, par où il faut que j'aille? À gauche. Comment je fais pour aller à gauche? Par là. Allez, laisse-moi tranquille. Et oui, fais un rapport, ce que t'as envie de faire. Ok. Truc de son. Très bien. Ok. Bon, c'est déjà ça de fait. Faut que je recharge mes batteries. Ça coûte, tu peux pas me suivre. Je vais où maintenant? Merde, c'était pas là qu'il fallait que j'aille. Putain, j'ai plus de tasse là en plus. Dans la mission ensemble,
chaque détail a de l'importance. Je ne coûte rien. Je suis fiable. Je suis fiable. Vous connaissez mon visage, le lambda. Bon, mes amis, c'est le moment de tester cette merveille. Salut! Laisse-moi sortir! Allez! A bientôt, les potes. Hein. Allez, on se lève, replay, et on court. C'est maintenant. On s'arrache de cet endroit. Je te regarderai plus tard, hein. Bon, on dit pas. Pour partir. Ouais. Moi c'était Laure, chef de secteur chez Wayland Unit. Oh là, la grosse artillerie. Elle est passée où, la gamine, avec des problèmes d'identité? Laisse Ripley en dehors de ça. Elle cherche juste des réponses. Moi je veux plutôt préserver les intérêts de Wayland Unit. Et moi je voudrais bien sortir de cette foutue cellule. Peut-être qu'on peut s'arranger. Peut-être. Je sais pas si t'as remarqué, mais notre conversation est enregistrée. Il y a la petite lumière rouge. Il me faut des données. Des coordonnées du planétoïde où vous avez trouvé l'épave. Toutes les données que vous possédez sur les origines de cet organisme. Je reconnais tout ça. Et aussi un moyen de sortir de la station. Faut juste que tu me fasses sortir. Ta proposition me paraît acceptable. C'est quoi ce bordel? Taylor, fais-moi sortir de là, tout de suite! Fais-moi sortir! D'accord. Il va récupérer la lien. J'ai entendu. Ils veulent récupérer l'alien, les petits cons. Je suis dans la bonne direction là ou pas? J'ai pas l'impression. Ok. Chariot en mouvement. Oh, ça va vachement vite. D'accord, merci. Ok. Est-ce qu'il va m'amener directement en bas? C'est ça l'idée? Cool! Putain, Samuel, s'il est mort! Putain, hashtag rip Samuel, les amis. Putain, je l'aimais bien. Même si j'avais pas trop confiance en lui sur la fin. On est où là? Le transit privé d'Apollo est disponible. Embarqué à destination du cœur d'Apollo. Ok. C'est ça? Bon, il n'y a pas trop de 10 000 choix de toute façon. Il y a une sauvegarde là, cool. Ok! Je sens que ça va pas être si facile que ça, hein, mais bon, voilà. Putain, c'est ouf, il est long ce jeu, c'est un truc de fou. Hein. C'est vraiment cool. Super. En avant les amis. Navette à destination de l'unité centrale. Quel étage juste au-dessus du noyau d'Apollo? Toute la zone abrite les systèmes de support d'Apollo, avec l'IA dont le noyau est au centre. Apollo a empêché Samuels de lever le verrou à distance, mais Samuels a réussi à faire en sorte qu'Apollo te parle une fois que tu seras dedans. D'accord. Et je devrais le raisonner, c'est ça, intelligence artificielle, ça va te rider à la con. Oh, c'est marrant, c'est ouvert ici maintenant. Tous les passagers en état d'ébriété. Time to heal. Medikit. Putain, je suis vraiment full partout, c'est un truc de fou. Hein. On va se refaire une petite bombe IEM. Parce que je pense qu'Apollo va pas nous ouvrir la porte si facilement. Ok. Ok. Je
me suis rendu à Apollo pour trouver ce qui a rendu les synthétiques dingues. Cet endroit est devenu un enfer. Apollo a redirigé les missions primaires des androïdes. Et a laissé en plan la maintenance qu'on avait demandé après la nouvelle. Il y a du liquide de refroidissement partout. Vous jugez notre service de transit effectueux, veuillez remplir un formulaire sur la liste d'attente. Les systèmes sont tout à coup complètement obnubilés par les mesures de confinement. Je vais trouver un moyen de descendre. Scanning, terminé. Ok. Arme à feu détectée. Putain, c'est pas vrai. Veuillez déposer les armes à feu sur le tapis de sécurité. Je dois vraiment faire ça là ? Oh putain. Sonné Apollo, remercie pour votre aide. Tu parles. C'est sérieux là ? Non ! C'est une blague. C'est une putain de blague. Super. Bon, il va mourir maintenant, là ? L'ascenseur d'accès au noyau d'Apollo est actuellement hors ligne. Les systèmes primaires d'Apollo sont actuellement inaccessibles. Ricardo, l'entrée est bloquée. Il doit y avoir les schémas utilisés pendant la visite des acheteurs de Sébastopol. Il y a peut-être une porte arrière. Porte arrière. Oh, putain. Ah bah c'est là les schémas. 49-30. Ok, voyons. Il y a une liaison électrique jusqu'au noyau d'Apollo. Je peux l'utiliser. Tu penses pouvoir passer ? Éteindre les systèmes électriques, respirer un bon coup, se plier en quatre, fastoche. Compte pas sur moi pour venir te sortir de là si t'es coincé. Merci. 49-30 donc. Ok. Putain, j'ai le meilleur... coéquipier de toute l'histoire là. Putain, c'est classe ici. Ça va faire mal de ramper dans un couloir sous tension, non ? Je vais l'éteindre d'abord. D'accord. Et comment on va l'éteindre ? Inspecteur Gadget ? Par là. Ok, génial ! Putain, j'ai plus un seul gun. Il me saoule, hein. Il n'y aurait pas mes armes par ici, par hasard. Non. Non, ce serait beaucoup trop facile. Non, 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 les amis, non. Salut. Vous avez des robots envoyés, ce serait super. Oh putain, c'est pas vrai. Alors... voilà, on a un E, un espèce de O, truc crypté, un espèce de... eh merde! Tentative incorrecte. Voilà, à vouloir aller trop vite. Mais si vous mettez la pression, vous regardez comme ça aussi, alors... voilà. Ricardo, c'est bon, c'est coupé. J'ai téléchargé les schémas d'Apollo ici. On dirait que tu peux accéder par l'arbre de la turbine. Ils sont pas comme les autres, ces trucs-là. Mais ça va pas s'arrêter longtemps. Tu vas devoir passer en vitesse. Ici Chief, y'a un truc qui cloche avec vos androïdes. Ah bon, y'a un truc qui cloche avec les androïdes. Bon, faut que je me dépêche, c'est ça. L'équipe que j'avais réquisitionné pour le démembrement des quartiers inférieurs s'est arrêté net. Ils ont baragouiné quelque chose à propos d'un ordre sur le confinement de danger. Ils ont essayé d'entrer dans ma cabine de contrôle avant de partir. Mon dieu. Je sais, je me plains tout le temps au sujet de ces saloperies. Mais maintenant, j'ai la preuve que leur... le système est défectueux. Je dois rencontrer Spedding, votre boss, demain, même heure. Et je vais botter quelques culs. Donc quand il commencera à vous botter le cul aussi, eh bien remerciez-moi. C'est non. Il va botter quelques culs. Ok. C'est fermé. Il faut que je me dépêche à quel point en fait. C'est une blague de se dépêcher ou... pourquoi j'ai des bips ? Ah oui, mais les bips, c'est les mecs qui sont en bas. Putain, ils m'ont l'air tellement violents ceux-là, je suis sûr que c'est pas comme les autres. Ok. T'as l'impression que ça m'a mis le petit pip-pip là ? La turbine s'est arrêtée, ça devrait aller. Tu devrais courir. Si les systèmes surchauffent, ils vont redémarrer. Procédure de redémarrage.
Ok. Et bon, on va faire ça alors. Putain, allez, dépêche, dépêche, grimpe. Oh mon dieu, je vais faire tout. Accéder à Apollo. Allez, cours! Ça va être tendu. Bonne chance. Ripley, tu t'enfonces de plus en plus loin dans Apollo. Et ton signal radio est de plus en plus faible. Je vais bientôt te perdre. Génial. Croise les doigts pour moi, ok? Il va y avoir un paquet de lambda en bas, Rip. Ça pourrait être dangereux. Rip. Samuel s'est sacrifié pour que j'arrive jusqu'ici. Il faut que j'essaie. Je le trouverais plutôt cool pour un synthétique. Moi aussi. Moi aussi. Ok, je dois aller où maintenant? Là, ça regarde. Mais oui, mais Samuel, c'était le meilleur. Derrière moi, je dois aller. Je n'ai plus rien comme ça. L'entrée principale est verrouillée. Oh fuck! Je fais quoi maintenant? Je t'entends pas, Rip. Ton signal est trop faible. Ricardo? Si tu peux m'entendre, trouve un autre moyen de me contacter. Il y a un truc qui cloche avec mon oreillette. Ok. Ils ont l'air vraiment sympas, ceux-là. Hein. Putain de merde. Apollo fait appel à votre patience pendant l'ère de confinement. Sébastopol n'est plus sur le marché. On a un acheteur. On boucle tout dans quelques semaines, et eux, ils changent d'avis. Après toutes ces présentations et visites à n'en plus finir, finalement les pourparlers n'étaient pas tant que ça au point mort. Un gars du QG de la compagnie n'a eu qu'à claquer des doigts. Un message de confirmation vient d'arriver, et Apollo reçoit en ce moment un paquet de nouvelles règles d'opération. Je suppose donc que l'affaire est conclue. Inutile d'informer qui que ce soit jusqu'à ce que l'annonce soit faite aux actionnaires. C'est du niveau administratif. Ça envoie du rêve, hein? Ouais, ça envoie du rêve, ouais. Donc je passe par là. Putain. Je peux pas passer là. Oh my god. Ok, donc là c'est pas possible. Ouh, bah si, je peux passer maintenant. Masque à gaz ramassé pour les zones à risque. Ok. Genre maintenant je peux y aller. Énorme. Sauf que c'est pas par là qu'il faut que j'aille. C'est par là-bas. Oh, c'est classe. Quelque chose ne va pas. Si si, tout va bien. Pas trop où je dois aller là. Merde. Oh, y'a un type là-bas. Tout le putain de tour que je dois me taper. Pas sûr que ce soit efficace de les tabasser ceux-là. Qu'est-ce que je peux faire les amis? J'essaye. À mon avis c'est une idée à la con. Hein. Ok. Ça c'est bien. Oh, 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 oh. Oh, j'ai tellement envie de passer par là. Super. Merde. Ici le cadre de Sixon, Ransom, au rapport pour l'administration. Espèce de fils de pute. J'ai fait preuve de loyauté envers vous. Et vous, bande d'enflure, vous êtes bien payé ma tronche.
J'allais vous offrir la trouvaille du siècle. J'étais prêt à risquer ma vie pour la compagnie. J'aurais pu appeler une équipe spéciale, sécuriser le spécimen, et on y aurait tous trouvé notre compte. Mais Apollo a coupé toutes les communications. Aucun des techniciens du noyau d'Apollo ne répond à mes messages. On est tous en train de crever ici, bande de bâtards. Vous avez tout foutu en l'air. Allez vous faire foutre, vous et votre putain de compagnie. Allez au diable. Oh merde. Ok. Bon là normalement il faut que je continue. Là Apollo, il y a des androïdes à la porte. Aucune trace de ransom nulle part. Il y a des conflits dans la faille de confinement du danger. Les procédures de sécurité synthétique ont été contournées par la gauche, la droite. Les communications sont hors ligne. Je croyais que c'était aléatoire, mais maintenant je sais plus trop. Merde, ils sont sur le point d'entrée. Dites à Suzanne que je l'aime. Putain, ça craint. Oh my god. Pierre canalienne. Des robots. Alors. Je suis sûr qu'ils vont m'attaquer quand je regarde pas. Merde, c'est lequel que je dois utiliser là? Je reconnais pas, c'est lui. Ouais, c'est lui. Ok, on est sous pression, mais ça va, ça se passe bien. Mon dieu. Ok. Système de sécurité de l'hémisphère gauche, activation réussie. Système de sécurité de l'hémisphère droit, activation réussie. Ok. Ok, rien de compliqué jusque là. On savait pas vraiment là. C'est trop ouf parce que les... Oh merde. Je fais rien ici, monsieur. Bonjour, bonjour. Voilà, ça se passe bien. Il est où? Oh putain, il a pris cher. Ah ouais d'accord, donc vous êtes le genre à résister à une explosion en fait. Je cours pas, je cours pas. Vas-y viens Bobby. Non non non, non non. Viens par là mec. La mine elle est là. Qu'est-ce qu'il fait? Il m'a oublié là ou que je rêve? Hey mec! Je vais me faire péter à ce rythme là, je peux pas le ramasser ça. Salut! Hey mec! Live, live, live! Vas-y, vas-y! Eh ben! Deux bons tuyaux quoi! C'est plutôt résistant, dites-moi. Oh merde, oh merde, oh merde. Vite, vite, vite. Oh mon dieu. Oh putain de merde. Lâche-moi, 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 lâche-moi. Putain, mais cher eux. Oh oh, oh oh. Oh oh, oh oh. Ok, vous êtes super sympas les mecs, hein, vous avez l'air adorables. Ok, lui est en train de se prendre la gueule dans la porte. Salut! Ouais, je sais, je sais. Oh putain, c'est pas vrai, je vais mourir. Casse-toi. Putain, ouais, je me calme, je me calme. Allez, lance ta truc! Très bien! Ah, 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 très bien. Très bien, très bien. Vite, vite, là, je vais mourir, là. Non, lâche-moi! Laisse-moi tranquille! Quel
con aussi de faire péter des trucs comme ça. Ah, je vais crever, putain, je vais mourir, c'est terminé. Putain, je peux pas m'en sortir, ils sont complètement autour de moi là. Vous craignez pas les bombes IEM, sans déconner? C'est pas possible, hein. Bonsoir. Ok, c'était pitoyable, les amis, je suis vraiment désolé. Ils m'ont vraiment laissé tranquille, hein. D'accord. Je dois faire quoi, là? C'était nul, les amis, je suis désolé pour cette action. Merde. Putain, on me fait chier. Vous me faites vraiment chier, les mecs. Hein. Je sais pas quoi faire là, je vous lance des bombes, j'en sais rien. Oui, bien sûr, je vous donne des renseignements sur le protocole de sécurité Sixon. Putain, mais comment je vais me les faire? Je peux pas me les faire un à un, là. Oui, je les rassemble. Ouais, je sais. J'aurais dû crever il y a 3 heures déjà. Salut. Allez, venez là! Il sera aussi pourri. Ah ben là! Ok. Il est où le dernier là? Il va m'éclater, c'est ça? Ça sert à rien contre les. Ah ouais, putain, mais ça aussi qu'ils craignent pas les copes. Cocktail Molotov, on va essayer. Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Il s'en fout du feu, c'est ça qu'il a dit? Ne courez pas! Ok, j'espère que c'est le dernier. Hey Bobby! Faut que je l'attire dans notre salle. Putain, à dire que j'aurais pu les éviter quoi. Bobby! Allez, viens. Bon, moi je serais tranquille pour utiliser ça maintenant. Alors, si j'ai tout suivi. Il n'y a pas un ordi là quelque part? Ça ne me sert strictement à rien. Il est où notre pote? Bonjour! Non, je cours pas, tu peux pas venir par là que je puisse te cramer là? Allez, viens! Allez, viens! Ils sont pourris ces robots. Allez, viens! Vite! Allez, rentre dans le terminal! Bon, ça va, on s'en est sorti. Ah, les amis, je suis tellement désolé, c'était tellement moche comme action. Ok. Bon, bah, moi, il n'y a plus de robots. Putain, j'ai plus rien. Putain, mais ils sont super résistants, ceux-là, c'est un truc de fou. Bon, du coup, je suis censé faire quoi ici? Utiliser le syntoniseur sur le terminal du dôme. C'est fait, c'est ça? D'accord. Il faut juste trouver le bon bouton.
puissance faible, ok. On devait m'arriver un truc là-dedans. Ok, dites-moi que c'est fini là bientôt. Ok. Donc maintenant on va débrancher Apollo. C'est ça l'idée, non? Putain, ça pourrait me débarrasser de tous les robots, ça serait super. J'en peux plus de ces trucs. Alors. What the fuck? Réduire la capacité de sécurité d'Apollo d'abord? Oui, effectivement. D'accord. Ah putain! Je dois faire comment déjà? Ah oui, entrer pour confirmer. Trois d'urgence. Ok. Je pense que je dois faire pareil de l'autre côté, c'est ça? Ok. Ah oui, j'appuie sur la touche de déplacement correspondant. Ok. Cool. Non, c'était pas évident à comprendre ce qu'il fallait faire. Hein. Enfin, autre chose, ça pas très évident. Mais bon, c'est pas grave, n'en parlons plus. Alors. Cool. Bon, c'était easy. Consulter Apollo. Apollo? C'est ça, Apollo? Qu'est-ce qui se passe? Oh putain! Je dois rentrer là-dedans!